aujourd'hui, on est tous enfermés dans un cadeau géant et le dernier qui sort remporte le cadeau final. Moi, je suis le cadeau bleu, Raph, c'est le cadeau vert et Seyar, c'est le cadeau rouge. Par contre, si votre boîte elle s'effondre, c'est tant pis pour vous, c'est éliminé. Hein. Coucou mon ami! Oh mon dieu, heureusement, je vois pas la gueule de Seyar. Vous êtes des bâtards! Moi, ma strat, les gars, ça va être simple. Au début, je vais me faire très discret et je vais être au mental. Je vais juste me dire, c'est pas grave, je m'amuse, c'est cool. Et dès que je vais commencer à en avoir marre, là, je vais commencer à les rendre. Et toi, c'est quoi ta strat? Les gars, ma strat, ça va jouer tout sur la patience. Je vais rester dans ma petite bulle, on va juste patienter et faire passer le temps tranquillement. Ok, bon, il sort en premier, lui, hein. C'est pas la bonne strat. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, dans la vidéo, pour avoir du confort, faut le gagner. Donc même si t'as envie de pisser, faut que t'arrives à gagner une bouteille d'eau pour après, derrière, pisser dedans. Préparez-vous au premier happening. Oh, le premier happening déjà! Ça se trouve, les gars, il y a déjà quelqu'un qui va partir là! Ah, les gars, tout de suite dans les commentaires là! À votre avis, qui va partir en premier? Tout de suite là maintenant! Là. Merci, mais vous faire quoi du PQ? Monteur, s'il te plaît, fais un effet où je chie par terre. Vous allez ramener trois verres d'eau. Ouais? Vous allez faire une ligne avec le PQ, vous allez mettre le verre d'eau sur PQ et vous devez ramener le plus proche de vous. Et celui qui a fait le moins long trajet, il boit un demi-litre d'eau. Ah! Mais c'est un avantage ou un inconvénient de boire un demi-litre, sachant qu'on a rien à boire. Vous êtes mort. 3, 2, 1... C'est bon. Allez, c'est bon. Moi, dès le début, frère, moi aussi, j'ai avancé de ça. J'ai voulu aller trop vite. L'eau, elle est tombée, frère. Tout s'est écroulé. J'ai gagné. Non. Du coup, bah, il prend l'eau. Un demi-litre d'eau. C'était impossible. Mais tu sais que j'ai tiré le PQ, il s'est direct craqué. Mais après, c'est-à-dire, il a une descente de fou. Fini. Bravo, bravo. Dans 30 minutes, il a envie de pisser de fou. Ouais, vas-y, si tu veux. Moi, j'ai confiance. Hein. On dit un fou. Ah les gars, moi tout va bien. Hein. Et là, il y a grave, vous ne voyez pas là. Ah les gars, je meurs de faim. Je sais pas, il est qui. Alors, t'as la dalle. Tu manges, j'ai la dalle. J'ai la dalle, c'est un genre de McDo à l'âne. Toi, tu crois vraiment que ça va m'énerver, genre? Par contre, je vous dis, les gars, cette nuit, j'espère que vous allez pas vouloir dormir. Tout ce que j'ai à vous dire. Ah, je le vois et qu'il est comme ça par. Ah, t'es trop mignon, je tu me fais trop de peine, wesh. Le petit cochon se balade dans un plus. Pour les 3 prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle Jimmy Punchline. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fâches plus traumatiques, tu délètes. Wow. Ok. Eh les gars, le plan de la cam, là, il n'y a pas trop un délire de podcast. Attends les gars, est-ce que vous aussi, quand vous êtes enfermés, bah, vous pouvez rien faire d'autre à part attendre, quoi. Moi, là, par exemple, j'ai juste envie de pisser. Bon, je vais me reposer un peu par terre en attendant le prochain happening, là. Je commence à être KO, j'ai mal au ventre, j'ai faim de fou. J'ai la dalle, s'il te plaît, ramène-moi un BK. En vrai, je trouve, depuis tout à l'heure, j'étais méchant dans ce petit truc-là. Trois petits papiers. Vous piochez un truc et je vous le donne. Moi, j'ai envie de prendre limite le bocal et je vais pisser dedans, quoi. En vrai, je sais pas si c'est cool, mais c'est hier, il va avoir le seum. J'ai gagné un urinoir. Ah le bâtard. Oh non, Sey. Ça va mon petit Sey? Pas trop envie de pisser? J'ai gagné un chauffage. Non mais c'est une dinguerie, parce que quand j'ai chaud, j'ai envie de pisser. C'est pas mal. Chaise de camping. Ah t'es bien. C'est pas mal, ça je vais pouvoir me poser. Wesh. C'est ça son urinoir, t'es mort, c'est des bouteilles. Bah pourquoi pas. Ouais, la petite chaise de camping. Ah ouais, en vrai, c'est carré, ça fait du bien. Entre les happenings, on dort vraiment premier degré, à même le sol. Il n'y a aucune blague. Il y a une ambiance ici, c'est fou. Ah, j'ai la dalle de ouf, j'ai mal au ventre, les gars, wesh. Tu sais que ça peut être dangereux, hein. On peut tomber dans les pommes, hein. Nico. Moi aussi, je commence à avoir un peu envie de faire pipi, mais toi, ça a l'air d'être un peu plus. Tu sais quoi, je demande à Nicolas qui te ramène un truc. Nicolas, ramène un truc pour pisser pour Seyar, s'il te plaît. Ça, c'est le premier et le dernier truc que je serai gentil avec toi. Nico! Je vais me pisser dessus. Nico. Je vais me faire pipi dessus! Mec, je te revendrai ça, je te jure. Merci. T'as ramené quoi? Il m'a ramené un gobelet McDo, frérot. Ah là, je suis capable de tout prendre. Bon, je vous laisse, bisous. Je suis éclaté, j'ai faim, je me sens hyper faible. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là. Je pense que déjà, au bout de 24 heures, je pense que déjà, on sera à plus de deux. Ça
ça reste entre nous ce qui s'est passé dans cette pièce, les gars. Les gars, regardez, j'ai fait une petite déco murale. J'ai mis ici mes petites bouteilles, ne me demandez pas comment elles tiennent. Est-ce que vous avez faim? Ah oh oui, un truc à manger, c'est temps. J'ai mon téléphone, je vais passer un par un. Je vais vous demander ce que vous voulez au McDo et je vais vous chercher. Quoi? Elle est où la douille, frère? Tu mets pas un peu d'espoir pour rien, gros. Il cache quoi ton sourire? Donc là, attends, moi, la grosse pute, je vais faire une commande McDo. Un McFirst bœuf, potatoes. Non, les wavy, les nouvelles frites là. Bah vite, c'est hier, j'ai faim là. Coca zéro. Il va nous la mettre à l'envers nous. McFirst poulet, frites normales. Frites normales. Coca avec bien du sucre, le coca. McFirst poulet avec potatoes. Un coca zéro. Et par contre, si tu me douilles, écoute-moi bien. Hein. Quand je sors d'ici, t'es un homme mort. Hein. Là, vraiment, là, tu parles avec un homme qui a faim là. Est-ce que je te le passe? Bah oui, frérot. Est-ce que je mange devant toi alors? Il va manger tous les menus devant nous, un par un? Mec, j'ai trop la dalle. C'est une blague ce qui se passe. Non, me dis pas que tu vas faire ça avec tout le menu. Mais c'est un chien! Wesh, il mange devant nous nos menus! Mais tu m'as demandé ce que je voulais! Ah! Nico, wesh! T'es un bâtard! T'as vu ce fils de chien là? La bouffe, elle va être gâchée, personne va la graille! Il est en train de manger mon menu devant moi. Tu veux pas? Je suis sûr que je le veux. Bah toi aussi je te propose la même hein. Ah ouais, on va faire ça avec toi. Oh non. Oh non, c'est la haine. Mets-lui un coup de poing, il va sentir. Mets-lui un coup de poing, vite. C'est ton menu. Eh, je vous fous des vrais coups de poing. Eh, hey, je m'en bats les couilles, je le graille. Mais frère, passe-moi. Chef, ça coule partout, chef, s'il te plaît. Dégage de là, allez, vas-y, dégage, là, tu m'énerves là. Oui, s'il te plaît, passe un croc. Casse les couilles, ça fait mal ça. J'ai trop faim. Là, j'en peux plus. Ça y est. Un quart d'un McDo. Non mais frère. Le gagnant, il va être tiré au sort. Oh non, la chance, c'est de la merde. Putain, je déteste ça. Tout d'un fond, toutes tes forces. Hein. C'est moi? C'est moi, je crois, c'est moi. C'est gros, c'est moi, non? C'est Raph. C'est moi ou pas? Tu vas avoir le seum, mec, tu vas avoir encore plus faim. Y'a rien à manger, frère. Oh, merci, chef. Et il est insupportable. Pourquoi c'est un maxeur, ce mec, comme ça? Vous aurez 10 minutes pour faire le plus grand parcours de domino. Il y en a un ici, il a là l'entraînement. Celui qui a le moins d'erreurs, il aura un maximum de confort pour le soir pour dormir. Matelas, duvet. Eh hey, mon gars. 3, 2, 1, ça commence. Ah, ah, bam. Ah, ah, j'ai pleuré. Ah, ah, ah. Je bats comme un Rottweiler, frère. Je pleure, les gars. Les gars, short, désolé, je peux pas. Non, 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 non. Rien, fais pas ça. Ah, putain, je déteste vos vidéos, putain. Tiens, ah. Ça fait du bien. Bah, même lui, ça fait rien. Non, fils de pute, non, non, non. 3, 2, 1, 0. Ça piquait de fou, les gars, le CT si fort. C'était tellement bien, j'ai la haine. Bon, les gars, j'ai fait ce que j'ai pu en demi-dos. Hein. Bah, c'est pas ça le problème. Anto premier, Raph deuxième, et Serre premier. Le piment là, il m'a achevé. Ah mec, j'ai oreiller et vrai matelas. En vrai, je suis Gucci. Matelas et petite truc pour dormir. Mon rêve de manger tout de suite. Oh là, je prendrais une pizza, je prendrais un petit hot tacos, un petit McDo, un petit BK. Ah, je suis tellement content. Bon, il est pas assez gonflé, mais en tout cas, c'est carré. Ah, je vais pouvoir bien dormir cette nuit. La bouche en feu. Et voilà, je me suis fait mon petit lit. Allez, je le gonfle un peu mieux. Et après, j'essaie de me poser. Tiens. Ah. Pour dormir. J'ai gagné un sopalin.
ça rentre dans la tête, c'est horrible. Les gars, je vais sortir là, j'en peux plus. Oh le con. Wesh. Gros, il est parti, il a laissé allumer ce chien. Oh non, le chien. Mec, c'est atroce. Le bruit, il est hyper angoissant. Je sais pas, ça fait au moins facile 20-30 minutes qu'il y est là. En fait, faut pas se concentrer dessus. Faut se concentrer sur autre chose. Oh Nico. Ouais, je viens d'arriver. Oh y'a Nico, wesh. T'as l'air crevé. Ah, je suis mort. Ça va. Si j'ai pas ça, je meurs. Ça fait du bien un petit repas. Ah ouais, putain j'avoue j'aimerais trop manger un truc là. Oh un petit croissant, un petit pain au chocolat, c'est rien. Mais c'est ouf, je donnerais tout pour l'avoir là. Comme le McDo, je vais faire tirer au sort un peu. Pour savoir qui va l'avoir. T'as marqué là, les deux. Ouais vas-y tire-moi ces trous là d'abord. Vas-y. Oh oui. Oh les deux. Mais j'ai une chance pas possible, Dieu merci. C'est tout ce que je voulais. Il est en train de prier. Bah là j'ai le ventre les gars, il est... Mais non, carrément j'ai un goût qui sort là, t'as vu que j'ai pas graillé. Je crois qu'on m'a donné le verre de Seillard de pisse. Bon repas. Oh là 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 là. Oh je commence par quoi les gars? C'est une dinguerie, c'est rien de fou. Ça se voit que c'est dans les vieux sachets de Super U là. C'est pas la boulangerie mais ça, ça va être une dinguerie ça. C'est dégueulasse mais je vous jure que c'est bon. Je sais pas il est quelle heure mais je crois que ça faisait presque 24 heures que j'avais pas mangé. Il y a le frérot à côté, je crois qu'il veut vomir. Là maintenant la strat c'est... Je bois pas beaucoup, parce que j'ai plus rien à faire pipi là. Je vais surtout attendre. Aïe, c'est pas bon signe ça, Rafou. On doit mettre un gant. Non. Mec, je peux pas faire ça. Oh non, les gars, c'est la chips la plus pimentée au monde, je crois. Non. Je ferai un décompte jusqu'à 3. Vous la mangez et il y a du lait dehors. Si vous voulez en finir, vous prenez le lait dehors. Vous sortez de la boîte. Oh putain. 3, 2, 1, 0. Ah ça pique, ça pique. Ah mec, c'est horrible. Il peut pas bailler. Ah. Il y a de l'aide dehors, je le rappelle. Ah. Ah mon cœur il bat de fou. Ah mec, j'ai envie de baver encore. J'ai pire qu'avant. Le lait est dehors gros, vas-y. Eh que bon. Ah mec, je peux pas. Sors maintenant. C'est pas plus bien, c'est moi. Oh oui. Oh oui. Ah un peu plus mec, wesh. Mec du pain, il faut un gros chose vraiment. Ah ça coule au nez. Les gars, sachez que ça fait au moins 20 minutes qu'on vous a laissé là, j'ai l'élève en feu. Je suis anesthésié, leur son a opéré là. Le nez, quand je respire, c'est du feu frère. J'ai gagné quoi? Bah là le Père Noël il est passé. Attends, j'espère. Oui, allez. Allez. Attends, Nicolas, t'as pris ma carte? Allez, écoute-moi bien, si c'est vraiment ça, je le jure que je re-rentre dans la boîte. Attends, plusieurs trucs, je n'étais pas encore en état de... Oui, allez. De deux, c'est-à-dire que... Attends, ça veut dire qu'il a pris ma carte bleue, ce fou, et là, j'aurais pu perdre. C'est faux, allez, vas-y. Il est bien lourd, que ce soit faux. Allez. Piste de plus. iPhone 15 Pro Max. Non. T'as vraiment dépensé avec ma thune. Et si je perdais? Mais t'es un malade. Merci d'avoir participé. Bon les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Et surtout, merci aux frérots d'avoir participé. On a presque passé les 30 heures dans cette putain de boîte de merde. Aucune source de divertissement, à même le sol. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous. Bisous. Franchement, je m'en veux.